Bonjour à tous les amis, c'est Marlon et bienvenue pour un nouvel épisode de notre aventure Partir de Rien, saison 5. Nous avons maintenant une ferme des vaches, mais il va falloir eh bien, s'en occuper et la remplir de vaches, évidemment. Allez, jouez sur la liste qu'on a fait durant le off. J'ai fait un off plutôt productif, j'ai continué l'enfilage qui est loin d'être terminé. Je suis pour cet épisode en compagnie de Virgile, le retour du multijoueur. Comment ça va Virgile? Ça va et toi? Ça va très bien, ça va très très bien. Alors comme tu peux le voir, c'est vrai que la dernière fois, ouais, il n'y avait pas de ferme des vaches toi quand t'es venu. Hein. Là, tu l'as build en solo. Ouais, ça c'était pendant mon petit épisode solo pendant que j'étais en vacances. Et oui, du coup, je suis de retour les amis, parce que je suis un petit peu plus bronzé. Je me suis fait bien détruire par le soleil. Je perds du blister pour vous dire, hein. je pèle comme il faut, mais c'est normal. D'ailleurs, bilan du coup du off, c'était assez rapide, c'était une petite heure de off durant laquelle j'ai attaqué tout simplement l'entièreté de ce champ. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire avec Virgile, c'est prendre tout le matériel qui est ici et l'emmener tout simplement eh bien, de l'autre côté, là où il y a encore pas mal de champs à faire, mais ça va aller assez vite en soi ces champs à faire. Hein. Parce que les amis, regardez, hein, juste encore une fois, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais je vous recompare. Vous voyez ce champ-là qui avait pris pas mal de temps, comparer la taille par rapport à ceux-là, bon, je pense que c'est quasiment la même taille. Donc ça va aller très vite, même s'il va falloir qu'on monte jusqu'au 184, ça va le faire. Bah du coup, ce qu'on va faire les amis, c'est que je vous mets un petit accéléré déjà dès le départ, pendant lequel on va emmener tout ce matos. Alors juste avant, on va peut-être vider toutes les machines. Elles sont pas encore totalement vides parce que le plateau était pas... Ouais, par contre, quand t'as re-autoload... Il était bug. Toutes les bottes qui étaient mises un peu en... Au lieu d'être comme ça, elles étaient sur la tranche. Ah oui, d'accord, des fois c'est bugué. Voilà, ça a recommencé, faut que je la réactive. Ouais, faut que je la réactive. Bon allez, je prends le temps de terminer tout ça et on emmène tout simplement tout ça au site des poules. Alors les amis, nous voici rendus du coup à cette deuxième partie de la grande récolte de maïs. De toute façon, dans cet épisode, les amis, je vous le dis, on le termine, hein, parce que sinon ça aura trop traîné. Faut pas qu'on traîne trop à faire des chantiers comme ça. Et d'ailleurs, je voulais parler avec vous des objectifs à 100 000 euros. C'est vrai qu'on est qu'aux objectifs à 100 000 euros, malgré qu'on commence à avoir des moyens qui sont assez énormes et une ferme qui commence à valoir. Faudrait que j'installe le mode qui me permet de voir la valeur de la ferme, mais je pense qu'on a déjà une valeur de ferme qui est très 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 haute. Et franchement, ça fait plaisir. Mais en même temps, on a durement travaillé aussi pour en arriver là. On a déjà fait plus d'une trentaine d'épisodes, donc c'est pour ça. Alors, je vais atteler. Est-ce que tu peux amener la barre de coupe juste devant? Ouais. Ça, je vais l'atteler. Et du coup, les amis, je voulais vous parler des objectifs à 100 000. Donc, on a possédé 5 véhicules, on a possédé 12 champs, on a avoir 3 ouvriers, on a fait les 12 heures de live. Et enfin, je vais pouvoir valider la suite. C'était construire la deuxième ferme et validée par les abonnés parce que vous l'avez largement validé. Alors, j'ai pas oublié le sondage très tard parce que j'étais en vacances et du coup, j'ai pas pensé pendant que j'uploadais à mettre le sondage. Mais de toute façon, en commentaire, vous étiez nombreux à dire que vous validiez totalement la ferme et que c'était l'une des plus belles que j'avais faites. Donc, merci beaucoup pour vos messages. Et du coup, c'est validé, les amis. Et du coup, on gagne 100 000 euros.
et bim, 100 000 euros comme ça de remporter grâce à ces objectifs à 100 000 euros qui sont maintenant totalement cochés. Maintenant, je vais d'ailleurs tirer une roue offerte. Ça fait tellement longtemps que je fais ça, je sais même pas si j'ai encore la roue quelque part. Je vais essayer de la retrouver. Et on va pouvoir passer aux objectifs à 250 000. Car oui, vous avez décidé aussi que je devais d'abord faire les objectifs à 250 000 avant de changer de map. Donc voilà, c'est reporté. Certains m'ont même dit, Marlon, la map elle est tellement géniale, ouais, c'est elle, ne change pas. Je vais changer de map un jour. Ça va ajouter tellement de difficultés parce qu'en fait, en gros, on aura la somme d'argent évidemment de tous les champs, tous les véhicules, mais on devra tout racheter, donc ça va rajouter plein de difficultés, on devra recréer des fermes et tout. Moi je pense que ça peut être juste dingue de le faire et ça nous fera découvrir une nouvelle map. Mais pour le moment, vu qu'il n'y a pas de bonne map, et ben j'ai reporté après les objectifs à 250 000 euros. On changera de carte s'il y a une carte suffisamment bonne, évidemment, on va pas se forcer à changer de carte. Mais du coup, c'est parti. Bah écoutez, une roue offerte, évidemment, on est parti. Voilà les amis, la roue elle est là, j'ai enfin réussi à la retrouver. D'ailleurs, si vous aimez bien ce genre de mécanique de carte chance, et bien sachez que le retour des cartes chance et malchance va se faire et bien dès le 16 avril. Donc le 16 avril, c'est tout simplement ce dimanche tout simplement, vous aurez le retour de Solo Monde saison 3 qui aura lieu chaque jour à 18h pendant 15 jours. Donc il y aura une petite pause de partir dans la pendant 2 semaines, mais je pense que vous allez kiffer Solo Monde cette nouvelle saison, gros challenge. Et voilà, je vous en dis pas plus, rendez-vous dimanche à 18h pour l'épisode 1 de cette folle saison de Solo Monde qui va reprendre. Alors du coup, nous c'est parti, la roue. Alors nous c'est que des cartes chance, donc on va voir lequel est la mieux, mais franchement moi tout me fait plaisir, tout me fait plaisir. On va voir, allez, avec un bâtiment offert c'est pas mal, mais d'un côté véhicule à moins 25%. Ok, belle petite carte chance, ça peut être intéressant. Il y avait quoi? Ah ouais, genre une récolteuse à betterave ou quoi, ça coûte très cher, hein. Ça peut être intéressant là-dessus. Je sais pas sur quoi, Virgile, on pourrait c'est vrai que... ouais, une grosse moissonneuse, un véhicule, ouais, une moissonneuse, une grosse moissonneuse à betterave, on a déjà du coton. Ah bien. Ouais, c'est vrai qu'on a pas fait de coton encore sur FS22 quasiment, hein. Ah si, on en avait fait sur Solo Monde, mais c'est vrai que c'était pas mal. Oh, et surtout t'as la CS770 là qui est énorme, hein. Fait du 11 mètres. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Donc tu retires déjà 250 000 de son prix de base. Ouais, quasiment, ouais. Ouais, ça peut être intéressant. Eh ben, je vais réfléchir à ça. Je vous poserai peut-être la question en live parce que. Ouais, ça peut être pas mal. Ah, en fait, c'est vrai que ce serait forcément le choix le plus rentable, je crois, hein. Bon, après, est-ce que tu vois, Virgile, une seule, ça nous suffirait? Mais après, techniquement, si j'en ai une seule, je peux en louer d'autres. Donc, oui, techniquement. Tu peux en louer d'autres, ouais. Donc. Ça serait une porte d'entrée intéressante. Mais il faut quand même pouvoir payer le reste. Pour le moment, on peut pas. Mais ça va venir, hein, croyez-moi. J'aurais bien aimé avoir le rendement aussi augmenté. Hein. Oh, imagine le nombre de bots qu'on aurait fait, ça aurait été monstrueux. Faut que je l'aurais augmenté à la fin, hein. Sinon on aurait eu à tout récolter, ça aurait été chiant. Mais ça aurait été pas mal, hein. Bon, bah écoutez les amis, je vous mets un accéléré juste et on reparlera du coup de la suite des objectifs juste après ce premier accéléré de nous qui continuons tout ce chantier. Ah bah elle est rendue là comme il. Ah oui, tu l'as mise là, ok. Ouais, je l'ai mise à côté, j'ai tout préparé. On la mettra vers le milieu du champ, je pense, après, mais ça va le faire. Bon bah écoutez les amis, petit accéléré, même gros accéléré. Et voilà les amis, premier champ terminé après, je dirais une petite demi-heure pour faire celui-là. Alors c'est le plus gros de la zone, je crois. Ouais, c'est le plus grand, ouais, il est quasiment aussi grand que les deux qu'il y a là. Alors, il y a celui-là aussi qui est assez grand. On va s'attaquer par celui-là, je pense qu'on va peut-être commencer par celui 91, 90, 89. Comme ça on va placer le setup en haut ici. Comme ça on n'aura plus qu'à faire des allers-retours avec l'ébène, ce sera pas hyper loin. On n'aura pas trop de temps à perdre. Et puis voilà, c'est ce qu'on a de mieux à faire, je crois. Et espérons que ça ne prenne pas trop de temps quand même, parce que j'aimerais bien faire d'autres choses. Mais de toute façon, ouais, au bout d'un moment, j'irai m'occuper des vaches, j'irai en acheter d'ailleurs un petit peu plus tard.
tard dans l'épisode aussi. C'est pour ça que je garde de l'argent et que je rembourse pas l'emprunt. Parce que là, pour le moment, techniquement, je pourrais rembourser les 400 000 euros d'emprunt. Mais rien de presse. On a encore 3 épisodes après celui-là pour le rembourser. Donc, on est tranquille. Mais voilà, on verra. On verra. Mais déjà, faut que j'achète des vaches. Et les vaches, ça va pas être donné, hein, les amis. Juste pour rappel, on va les voir comme ça. Là, je vais vous montrer avant qu'on en achète. Ah oui, ah oui, à chaque fois qu'on se TP, en fait, on est TP sur les bières, là, sur la terrasse au-dessus de la stabulation. Alors, je crois que c'est là-bas pour les acheter, si je me souviens bien, avant les vacances. Ouais, c'était là. Et quand je fais R, regardez, voilà. Ouais, c'est 1500 euros. Ça va encore. Ouais, si j'en achète une centaine, ça fait 150. Ouais, avec les frais un peu plus quand même. Il y a quand même, ouais, il y a un petit peu de frais. Ouais, voilà. Faut voir 200 000 euros au moins. Je pense qu'on commencera avec 100 vaches. Et aussi, j'ai fait une grave erreur. Il va falloir prévoir aussi le fait d'acheter de la paille. Parce que, bah, dans le dernier épisode, enfin, dans l'épisode encore d'avant, je crois, j'avais vendu la paille. Et j'avais oublié le fait que j'allais faire les vaches très rapidement. Et que du coup, il faudra. Voilà, il va m'en falloir. Bon, c'est pas grave. En attendant, je pense d'ailleurs, on stockera ici la paille. J'ai de la place ici. Le seul problème, c'est que. Ouais, il faudra peut-être que je re-terraforme un peu. Là, je vais peut-être re-terraformer un peu pour pouvoir mettre un bâtiment ici un petit peu en retrait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les amis. Vous voyez, là, je mettrais bien un bâtiment un peu en retrait dans lequel on pourrait stocker la paille, par exemple. Genre même un bâtiment comme ça. Bon, celui-là est un peu grand. Mais bon, après, là, techniquement, celui-là, je pourrais déjà le mettre. Ouais, non, il gênerait un peu. Il gênerait un tout petit peu. Serait un petit peu. Ouais, ouais, il empiéterait un petit peu. Peut-être re-terraformer ici pour pouvoir stocker la paille et peut-être aussi acheter un petit peu de foin. D'ailleurs, on n'a jamais fait de fauche. Ouais, on n'a jamais fait de fauche sur PDR. Bon, vous aurez l'occasion de voir. Ah non. Ouais, vous aurez l'occasion de voir de la fauche, de toute façon, sur ce le monde, vous verrez. Mais ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais fait. Donc au début, on achètera peut-être foin et paille juste pour lancer la production, genre dans cet épisode. Et on investira ensuite dans les machines qu'il faut pour pouvoir en faire de manière plus sérieuse. Donc peut-être ici, près des vaches, transformer un de nos champs en une prairie. Hein. Ce sera plus simple. Peut-être celui-là d'ailleurs. Il est pas mal. Je le vois bien en prairie. Il est assez plat et tout. Donc ça peut être cool. Ça peut être cool. Je vais bien voir. Bon, bah écoutez, les amis, on continue nous cette récolte de maïs. En tout cas, ça a produit déjà pas mal de bottes. Virgile me disait combien on était. Alors, on est à combien là, tu penses, en total de bottes? On doit pas être loin des 500. Hein. Total, on doit être à 500, ouais, je crois. Ouais, 500. Alors, ouais, total de bottes enrubanées 516 et total de bottes faites 522, dont 72 dans le champ. Hein. Dites-vous quand même que tout ce champ-là a été aspiré et rentré dans 72 bottes d'enrubanées. Donc, c'est quand même stylé. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, bah écoutez, nous, on est reparti. Oh, bah ça y est, Virgile a déjà fait. Il a déjà fait une lignée là-dedans. Je vais te dire, il perd pas de temps. Ça avance, il reste plus que 4 champs, c'est ça Virgile? Ouais, c'est ça. 4 champs, Virgile a fait quasiment bah, tous ceux que vous avez vus là, tout seul, parce que je le filmais en vue de haut. Mais ça avance bien en vrai, ça avance bien, ça va un petit peu plus vite quand même quand on s'y met à deux, parce que du coup lui il peut se concentrer sur les allers-retours, et moi je me concentre sur l'ensilage. Mais là voilà, dans 4 champs c'est terminé, donc en fait ouais, on aura terminé en 7P1, sans problème. On a combien de bottes au total là-bas sur la Go Whale? Bonne question, je vais te dire ça. À mon avis, on doit être à pas loin de 600, oh même plus. Total 633. 633, et ok. Le début des champs, on est à 184. Là, depuis ce côté-ci, t'avais réinitialisé au début de ce côté-ci. C'est ça. On a une note au tout début, mais. Ok, ouais, bah c'est cool. Ouais, bah ça avance bien, les gars, ça avance bien. Franchement, une récolte, c'est quasiment, ouais, ça va être 750, enfin 800 bottes, quoi. Pas loin de 1000, c'est vous dire. Et dites-vous, du coup, 1000 bottes à. C'est combien des bottes de. Je sais plus. C'est des bottes de 6000 litres, non? Ah, ça fait 6 millions de litres, quand même. Combien? 5500 litres. Ouais, voilà, ça fait 5 millions de litres. Pas mal. Ça déconne pas ici. Bon, bah écoutez, nous on continue. Et puis, bon, on se retrouve sans doute une fois que l'ensilage est terminé, ou à peu près, quoi. Et on parlera des objectifs d'ailleurs. Bah, la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est pour parler des objectifs. Mais c'est vrai que c'est. Par contre, c'est pas fluide là où je suis. Oh, j'ai 20 FPS. Bon, après, il commence à avoir pas mal de bots. Ça aide pas. Mais là, j'ai 20 FPS. What the fuck?
Bon les amis, on termine ce dernier chant, on arrive enfin au bout de cet ancien, qu'aura pris, franchement je pense tout l'ancien j'aurais pris 10, 12, 13 heures, hein, no joke. Oh oui, bah oui, parce que j'ai fait un off d'une heure, il y avait eu un off de 2 heures avant et largement, franchement, je pense 10, 15 heures l'ancillage complet. Là aujourd'hui on a fait que ça, on a commencé à 13h30, il est 17h, donc ça fait 3h30 pour faire ce côté-ci et l'autre côté était beaucoup plus gros. Donc voilà, 10, 12 heures et on aura fait énormément de bots, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de FPS, bon aussi j'ai un FOV qui est très gros mais quand même, on est à 30 FPS parce que là je suis devant, bah dites-vous, c'est combien un plateau? C'est 36 bots? Ouais. Un peu. Ouais, voilà. Ouais. Donc voilà, il y en a quasiment 300 devant moi. Attends, là, maintenant que j'ai un carré, hop, je vais repartir par en bas. Je suis comme en niveau... Ouais, je suis à 30 000 litres, ça va le faire. On a plus d'additifs, mais c'est pas grave, hein. On va terminer sans, c'est pas gênant. On a assez de bots. Je vais vous dire, franchement, là, on a de quoi nourrir nos vaches largement. Et ça sera parfait, parce que c'est ce qu'on va faire ensuite, sans doute, dans la deuxième partie de l'épisode. Sans doute de l'achat de paille, de l'achat de vaches, de l'achat de foin et de compléments minéraux aussi. C'est important pour que ça fonctionne bien. Et comme ça, on aura nos premiers rendements en lait, les premières reproductions des vaches. Les vaches, ça va être très rentable là-dessus. Hein. C'est vrai que le lait rapporte pas mal d'argent, mais ce qui est vraiment rentable, c'est aussi de le transformer, ce lait. Et également, eh bien, moi, je trouve, c'est vendre les vaches. Parce qu'une vache, ça vaut quand même genre 1000-1500. Ça peut peut-être même monter un peu plus haut si on en prend soin, etc. Donc, ça peut être intéressant. Ce que je voulais parler avec vous, les amis, c'était les objectifs à 250 000. Car maintenant, c'est nos prochains objectifs. On y est rendu, comme vous pouvez le voir. Et donc, on avait possédé 7 véhicules agricoles dans l'exploitation. Bah ça c'est pas très compliqué, je crois qu'on l'a largement, j'avais compté au dernier épisode, je vais vous montrer sur la carte, on va compter ensemble vite fait, et on va compter également le nombre de champs qu'on a pour savoir si on peut les cocher. Alors attendez, ah merde attends, vas-y prends le reste ici, parce qu'après je vais lancer un ouvrier pendant que je vais être sur la carte. Tu vas peut-être pas avoir assez, tu peux déjà emmener ça en vrai. T'as combien là, 48 000 47 000. Ouais, ça va, quasiment plein. Hop, je vais lancer juste un ouvrier, aller tout droit pendant, il comprend, ouais, voilà. Nickel, pendant que je vous montre sur la carte, moi les amis, regardez. Regardez déjà, tout a été récolté, ça fait plaisir. Du coup, niveau véhicule, on en a un là, un ici, donc ça fait déjà 4, 5 avec la moissonneuse, 6 avec ce tracteur, 7 avec celui-là, 8 avec la récolteuse, donc voilà, on est largement, ça, on peut cocher, les amis, c'est fait. Ensuite, posséder 30 champs. Alors, je crois qu'on les a tout juste. Alors, attendez, on va essayer, je vais essayer de garder le curseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 juste de ce côté-là, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 avec celui-là. Donc on a aussi posséder 30 champs, donc on peut également enfin le cocher, parce qu'on pouvait pas avant, vu que j'étais pas rendu aux objectifs à 250 000. Donc déjà quasiment la moitié de fait, c'est fort, c'est très fort. Ensuite on a construit la troisième ferme. Alors la troisième ferme, je sais pas encore où on la fera, on va peut-être en débattre un petit peu en live, parce que c'est vrai que ça va être la prochaine direction qu'on va prendre. Maintenant c'est savoir où est-ce qu'on fera sans doute. Bah la ferme, ça sera la ferme un petit peu d'herbe, hein. La ferme on va faire des moutons, on va faire peut-être les cochons. Dans les cochons je pense qu'on... ça sera peut-être une quatrième ferme un peu plus de ce coin-là, hein. Et, peut-être pas à côté des vaches, mais peut-être un peu plus vers là. Et les moutons je les ferai bien là-bas, ouais. Dans le coin ici ça a l'air joli, c'est un petit peu, t'as des prairies déjà un petit peu, donc ça va être pas mal. Je pense que les moutons, ouais, dans ce coin là ça sera vraiment cool, et ça sera sans doute elle la troisième ferme. Que les cochons au moins c'est du challenge, donc je me tâte. C'est vrai que les cochons, et nous c'était notre truc pour faire de l'argent de fou, hein. Tu te rappelles sur la saison dernière? Ouais, on avait les deux gros, ouais, je sais plus, c'était 500 bâtiments. Non, je crois que c'était 500 cochons par porcherie qu'on avait, et bam, ouais, bam, bam, et rah, c'était stylé, hein. C'était quelque chose, franchement c'était vraiment quelque chose. Cette saison là on avait fait beaucoup d'argent, mais on va beaucoup plus vite je trouve sur cette saison, malgré que ce soit la même difficulté, c'est juste que bah on s'améliore, on commence à connaître de mieux en mieux le jeu aussi, faut pas se mentir. Mais ensuite on aura avoir 3 ouvriers. Alors non, ça va changer, ça sera avoir 4 ouvriers dans l'exploitation. Alors en vrai, ces objectifs-là, je trouve qu'ils sont pas adaptés à partir de rien. Est-ce que vous avez d'autres idées, les amis? Je vous laisse me le dire en commentaire. Parce que partir de rien, c'est pas vraiment... Vu que les tournages sont très longs, on pourrait pas arriver à avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes en même temps. C'est très compliqué. Donc je pense qu'on va maintenant, tous les trucs, avoir autant d'ouvriers, on va les remplacer par autre chose. Donc notamment celui-là, les amis, si vous avez une idée de challenge qu'on pourrait faire pour les objectifs à 250 000, je vous écoute. Et enfin, interdiction de faire d'autres emprunts. Ça pareil, on va pas le prendre tout de suite. Parce qu'on attendra d'avoir fait, je pense, la troisième ferme, d'avoir eu l'argent d'un emprunt et de le rembourser. Parce que d'ailleurs, interdiction de faire d'autres emprunts, ça veut dire qu'on n'est obligé de rembourser directement l'emprunt qu'on vient de faire, hein. Ça veut dire juste que si on veut en refaire un autre, on ne peut pas. Mais ça veut dire qu'on peut par exemple emprunter 3 millions d'euros, cocher interdiction de faire d'autres emprunts et ne plus en faire après. Voilà basiquement pour ça, pour tous ces objectifs, les amis. Objectifs 100 000, 250 000 et après on passera aux 500 000, 1 million. Mais ça, c'est une fois qu'on aura tout simplement changé de map. C'est pas pour tout de suite, mais j'espère que ça arrivera. Ce serait bien pour la rentrée qu'on change de map vers septembre, tout ça, d'avoir une nouvelle map. Ici, celle-là, comme ça, on va bien la poncer, faire une troisième ferme, bien s'installer dedans. Et comme ça, quand on aura un peu marre, ça fera plus d'un an qu'on. Ouais, ça fera un an sur celle-ci, et ben on partira sans doute pour une autre année sur l'autre, histoire de terminer la série avec tous les objectifs qu'on aura à faire. Tac, bon bah écoutez, moi je termine ce petit ensilage, ça va aller plutôt vite je pense.
ça y est, c'est fini, l'ensilage est terminé. Après de nombreuses heures, on est du coup sur un total, je vous le montre ici, de 830 bots, donc pas loin de 1000 bots. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Là-bas, on a un tas de bots qui est colossal. On a encore ce camion à emmener. Bah hop, je vais l'emmener avec vous. Mais voilà, bilan, en vrai, pour le moment, c'est peut-être la méthode d'ensilage la plus rapide à faire. Je pense, Virgile, hein, qu'on est... franchement, hein, parce que c'est avec les autres, avec les bennes, c'est trop chiant. Faut vider, faut emmener surtout au silo qui ne bouge pas, alors que ça, le setup, on peut le bouger. Et ensuite, faut se faire chier à tasser, attendre que ça fermente, récupérer ensuite dans le silo, ce qui souvent ne fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi. Et le vendre dans un BGA, accélérer le temps. Alors que là, non, pas du tout. Juste, tu ensiles, tu mets dans la Go Whale et c'est terminé. T'as tes bots que tu peux juste aller déposer dans un trigger de vente et tu fais ton oseille, quoi. Et ça, franchement, on va pas se mentir, c'est Gucci quand même. Hop, allez, hop, c'est déchargé. J'irai vendre ça, je pense, dans la partie 2 où, et j'en emmènerai également. Aux vaches, hein. Sur AD, on a, ouais, on a de la botte. Hein. Oh, on a encore beaucoup, beaucoup de bottes. Bah, c'est 136, 72, 108. Purée, c'est chiant. 108 et 108, 216. Et re, quasiment 108, on est à 324. Donc, 324 bottes juste ici. Mais après, les amis, on en a encore 72 ici. Donc, on arrive à, voilà, on arrive à 400 bottes. 400 bottes juste pour les vaches. Hein. Donc, 400 bottes pour juste comme ça, ça fait 2 millions de litres. Hein, un peu plus de 2 millions de litres. Et est-ce que j'en ai encore ici? Oui, j'en ai, oh, j'en ai encore là. Ouais, donc, on a 2 500 000 litres d'ensilage prêt à être distribué aux vaches, donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc je vais pouvoir me concentrer sur la suite, les amis, simplement dans la P2, mais juste avant, je vous laisse avec la partie live, évidemment. Et j'ai une question à vous poser, parce qu'en fait, dans l'épisode, j'ai tiré une carte chance, et du coup j'ai eu la carte chance, moins 25% sur un véhicule du concessionnaire. Donc là, il y a plusieurs stratégies. Est-ce que j'achète genre une moissonneuse? Ça va même être un sondage. Qu'est-ce que j'achète avec ces moins 25%? Est-ce que j'achète un tracteur? Une moissonneuse, je pourrais acheter une moissonneuse sur une grosse moissonneuse. Ça me ferait économiser pareil 100, 150 000 euros avec toutes les options. Donc, c'est pas forcément, tu vois, la plus grosse économie parce que j'ai moins 25% sur un seul véhicule. Autant l'utiliser peut-être sur un truc qui coûte très, très, très cher. Et je me suis posé la question avec Virgile, qu'est-ce qui coûte cher? Ça peut être pas mal. Donc, en vrai, les options, ça va être ça. Ça va être soit moins 25% sur un tracteur, ce qui me ferait économiser 150 000 euros. Même pas, 100 000 euros. Sur une moissonneuse, 100 000 euros aussi. Sur une arracheuse à betterave, ouais, un peu plus, ouais, 150 000 euros. L'arracheuse à betterave, c'est peut-être ce qui est le plus cher. Ou alors, ce que on pense avec Virgile est peut-être la meilleure option. Parce qu'en gros, eh bien, on achèterait une récolteuse à coton. Alors, faut l'oseille. C'est, là, vous allez me dire, ouais, mais Marlène, t'as pas l'oseille. C'est vrai. Mais par contre, dès qu'on a l'oseille, déjà, le coton, ça rapporte beaucoup d'argent. Et en plus, bah voilà, quoi. Si tu veux, on a affaire à quelque chose d'assez conséquent. Et... bon, les amis, on va stopper le sondage. Oh, me dites pas qu'on va falloir qu'on fasse un second tour. La bande de fumier va mettre fin au sondage. Attention. Les amis, les résultats du sondage. Qu'est-ce qu'on achète? La machine à coton à 48%, un tracteur à 33%, une moissonneuse à 10%, une récolteuse à betterave à 6%. Balan, second tour! Donc il y aura un second tour, les amis, entre la machine à coton et un tracteur. Faut qu'on nourrisse les vaches. Du coup, attends, est-ce qu'elles ont fermenté? Ah non, elles ont pas fermenté encore. Faut que j'accélère le temps, du coup, pour que ça fermente. Ah ouais. Attends, je vais déjà accélérer le temps. Ouais, vous savez, ça sera fait. Comme ça, mes bottes, elles vont fermenter tranquillement. Ça va assez vite, hein. Faut que je les ouvre, les bottes, ou pas, hein, il me semble. Ah, je peux pas parce que je suis dans un silo à tous les coups et que c'est la même touche, tu vois. Ah non, y a pas besoin. Il me semblait qu'on pouvait les ouvrir, les bottes, non? Je te bais peut-être, hein. Il me semblait, hein. Attends, je mets juste ça comme ça? Ah mais non, mais en fait, c'est pas fermenté, mais j'ai quoi? J'ai un cuir à... Je suis persuadé d'avoir eu 100% pourtant. Ah attends, allez, voilà, on peut les ouvrir, les bottes. Le sondage. Très agréable, hein. Résultat du sondage, les amis. Oh, vite, faut que je mette fin au sondage. Ah, les amis! Résultat du sondage, non! Les amis, les résultats du sondage sont tombés. Qu'est-ce qu'on achète de le second tour? La machine à coton qui cotonne a obtenu 51% des suffrages, même 51,9 je pense. Et un tracteur qui tracte a obtenu que 48,1% des suffrages. Donc les amis, nous allons acheter une machine à coton qui cotonne, alors quand on aura les moyens. Et j'ai déjà un emprunt à rembourser avant. Mais l'idée est là. L'idée est là et c'est beau, c'est le beau jeu, c'est ce qu'on aime. On adore. Oui, ça a envie de... C'est quoi, c'est, je fais l'appel du général de Gaulle? Alors, Y, ça va être pris par le truc, non? Ah, c'est déjà plein! Ah, c'est que 100 000 litres qu'on met dedans! Ah, ça m'arrange pas! Ah, ça m'arrange pas des masses! Bon, les amis, on se retrouve après la séquence de live, et comme vous l'avez vu, ils ont voté, vous avez choisi. Comme chaque vendredi, d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les lives le vendredi, parce que ça nous permet d'avancer, ça me permet de vous poser des questions tous les vendredis à 20h30. Et alors, du coup, bah, vous avez choisi que j'achèterai la machine qui cotonne, hein, la cotonneuse à cotonner, qui sera, voilà, 913 000 euros, c'est pas donné. D'ailleurs, même si on lui met, attends, full ops, ouais, voilà, si on lui met full ops, on arrive à 914 000 euros. Mais ça sera pas pour cet épisode qu'on va l'acheter, mais franchement, moi, ça me dit bien, je suis vraiment chaud de faire ça. Donc, je pense qu'en vrai,
mais dans l'ordre des choses, je sèmerais bien tout ça en blé, juste les trois champs là, comme ça on fait un maximum tout simplement de paille, comme ça on aura notre propre paille, parce que là pour démarrer le lait je vais en acheter quelques-uns, pas trop mais je vais quand même en acheter pas mal, et comme ça ça nous permettra de démarrer, mais ensuite il va falloir qu'on le fasse nous-mêmes. Et du coup je pense que je vais acheter ici justement des gros champs de blé, et comme ça on aura de la paille, et après il faudra qu'on fasse le foin, il faudra trouver des techniques pour faire le foin, peut-être pour changer un petit peu de la fauche. De toute façon, de la fauche, vous aurez l'occasion d'en voir, vous verrez dans la prochaine série, parce que oui, j'en profite pour en parler maintenant, on en a parlé également durant le live, les amis, durant le mois d'avril, il y a un gros changement sur la chaîne, tout simplement, à partir du 16 avril, dimanche 16 avril, donc ce dimanche là, parce que quand vous regardez cette vidéo, on est le mardi 11, et donc ce dimanche 16 avril, sortira l'épisode 1 de Seul au Monde, saison 3. C'est quoi le challenge en fait? C'est qu'il va sortir, je vais sortir un épisode par jour pendant 15 jours, donc il n'y aura pas de partir de 1, pas de déforestation pendant 15 jours, parce qu'on va se concentrer pleinement sur un gros challenge de Seul au Monde. Donc soyez au rendez-vous dimanche 18h pour le lancement d'une sacrée saison de Seul au Monde, avec pas mal de nouveautés, mais toujours en gardant cet ADN que vous aimez tant sur la série qui est Seul au Monde. Voilà, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, parce que tous les soirs à 18h vous aurez un épisode jusqu'à la fin du mois d'avril, mais le vendredi on restera à live sur partir de 1, donc comme ça si vous voulez quand même voir du partir de rien, bah tous les vendredis à 20h30 on sera toujours en live sur partir de rien sans faute. Puis ça là, ça fait plaisir. Bon bref, j'en étais où les amis? Du coup on a amené également de l'ensilage là-dedans, comme vous pouvez le voir, et il me reste encore un peu de paille, foin, compléments minéraux. Bah, les compléments minéraux on peut en acheter énormément, hein, très franchement. Je sais plus combien ça coûte, j'ai pas des plus grosses palettes, faudrait que j'installe un mode avec des compléments minéraux peut-être en plus grosses palettes, je sais pas si ça existe. Bon c'est pas grave, en attendant on va acheter de la palette, je sais pas combien je peux en stocker, bon moi j'en ai acheté énormément, hein. Là, franchement juste changer le point de livraison au bout d'un moment, parce que oui sinon ça va tomber à côté, hop voilà, éviter que ça tombe la colline, on va pas se mentir, et comme ça au moins on sera plein niveau compléments minéraux, et les vaches seront tranquilles. Je pense qu'en vrai je vais remplir à fond le robot avec en achetant des matières premières, et ensuite on fera les nôtres, mais c'est juste le temps en attendant qu'on ait tout produit. Le l'ensilage on en a en balle, mais non c'est ça, ah oui non ça se met là, il faut que j'ouvre d'ailleurs ça, non oui faut que j'ouvre normalement, attendez hein, parce que oui des fois faut trouver le trigger. Alors est-ce que ça les prend en compte? Est-ce que ça les prend? Yes, ça les prend. Ok, bah à mon avis je peux en mettre pas mal, hein. Je pense que je peux au moins en mettre 10 000, si ce n'est... si c'est 100 000 comme les autres, ça va me coûter 100 000 euros, ça m'arrange pas, hein. Ça m'arrange pas, non, ça m'étonnerait que ce soit 100 000. Et également, alors, attendez, je laisse ça là, je les amènerai en accéléré. Que j'ai d'autres à acheter, eh bien on va les acheter ici, hop, juste en face. C'est des bottes de paille. Et une botte de paille, ça fait combien de litres là, celle qu'on achète? Ça fait 9 mètres cubes, donc on va en acheter, allez, c'est quoi, voilà, 16. Et pareil pour le foin, on va en acheter 16, hop. En bas de carré, voilà, 16. Et voilà, du coup ça fait un petit peu d'investissement quand même, 44 000 euros de bottes, mais ça va. Ça je peux le faire en autoload en plus, donc ça va. Ah ouais, déjà une botte, ça va, ça en fait, hein. Ouais, comme ça nos vaches elles vont se reproduire. Ah bah attends, d'ailleurs elles ont été nourries en fait depuis tout à l'heure, qu'elles sont pas si mal au niveau santé. Ah, elles sont à 0%, pourtant puberté a progressé. La puberté progresse, j'ai l'impression, même si on les nourrit pas, ce qui est étonnant. Ah, il faut leur mettre de l'eau, c'est vrai. Oh, ah mais ça c'est trop chiant. Ah oui, ça c'est infâme, j'avais oublié. Ah oui, ça c'est bien infâme. Chiant. Chiant cette histoire. Oh ouais. Pff, relou. J'ai quoi pour mettre de l'eau? Moi j'avais une citerne à un moment, non? Je l'avais pas revendue? Non, je crois que je l'ai gardé ma citerne, attendez. Ouais, je l'ai là. Ouais, à part que j'utilise, faut juste que je la retrouve. Bon, écoutez, je vous mets un accéléré le temps que... C'est vrai qu'il y a un bordel aussi, il faudrait que je range un peu mes fermes. Mais ouais, attendez. Non, mais je vous mets un accéléré pendant que je distribue tout ça et que je range un peu mes fermes, parce que là, il y a un bordel sans nom, c'est plus possible. J'ai rangé un petit peu tout ça, j'ai empilé tout sur le trigger, donc normalement il y a 100 000 de chaque. Pareil, par contre au niveau des minéraux c'est pas assez 10 000, donc on peut en mettre un peu plus. Et je vais en profiter pour lire les commentaires des abonnés, les amis. On va commencer avec le commentaire de Nicolas Wilmain qui me dit: salut Marlon, belle ferme pour les vaches, tabulation, silo et BGA en prime, c'est complet. Bah ouais, en vrai en prime pardon, c'est complet. En vrai ouais, c'est vrai, clair, on a un truc trop stylé, je trouve. Franchement on a tout ce qu'il faut, c'est équilibré, ça prend pas trop de place. Alors c'est certes un petit peu terraformé de manière barbare, mais je trouve que c'est pas mal. Il me dit: le robot
la situation est pas top de mémoire, pas assez rapide quand tu as beaucoup de vaches. Ça, ça me fait peur, ce que tu me dis là. Après, je pense qu'il y a moyen de le modifier, tu vois. Parce que ça, c'est qu'une animation. En soi, là, tout ça, ça sert un peu à rien. C'est le truc qui compte, c'est le script qu'il y a derrière qui va faire que ça a amené petit à petit temps aux vaches. Et ça, je pense qu'on peut l'augmenter tranquillement en modifiant le XML de la stabulation, qui est un fichier de la stabulation, tout simplement. Donc, je regarderai et j'espère que ça se trouvera facilement. Alors, je vais juste regarder où est-ce qu'on verse l'eau. Pour comprendre comment cela fonctionne, l'eau n'est pas acceptée ici, l'eau n'est pas acceptée ici, comme ça je vais savoir où mettre le trigger tout simplement de remplissage de l'eau. Ça me fait un peu peur. Il est où ce trigger? Oh. On se marre bien, mais moi je voulais donner de l'eau à mes vaches, à la base. Ça perd d'être de ce côté-là non plus, hein. Ah, c'est ça. Attends. Oui, alors j'ai un problème avec le braquage de mes roues, j'ai l'impression qu'elle se réinitialise. J'ai dû mettre un mode qui change totalement le contrôle. Ah, attendez, on va prendre un autre commentaire, mais juste avant j'essaye de trouver. Donc normalement c'est ici qu'on met l'eau. Donc il va falloir que je place un. Ouais, ça va, ouais, c'est certainement là, à part si c'est le temps qu'elle est. Ouais, non, c'est l'eau. Oh. Ok, alors comment ça va fonctionner? Je verse de l'eau ici. Ok, donc à côté, je vais placer la petite citerne. Alors ensuite, on a un commentaire de Jojo qui me dit « Salut Marlon, encore au top, merci pour ce rendez-vous hebdo, mais pas de soucis. Avec la nouvelle ferme, l'ancienne et toutes les activités, il est temps de trouver une autre personne dans cette exploitation, je pense, car tu oublies souvent de faire certaines activités. » Bah en fait, j'oublie pas souvent de faire certaines activités, mais c'est sûr que quand j'ai plus de blé, je peux plus faire de poule. Et par contre, c'est vrai que les serres, je pourrais en faire plus souvent. Et c'est vrai que oui, on manque peut-être maintenant d'une personne. Autant avant, j'étais pas d'accord, je trouvais qu'on manquait de personne. Autant là, petit à petit, je commence à me rendre compte que c'est vrai que là, même pour cet ensilage, si on avait été juste une personne de plus, ça aurait été pas mal. Donc je pense que ça va arriver. Et j'ai également peut-être Jérém qui nous donnera des coups de main, pour ceux qui connaissent Jérém, la grille 50, qui nous donnera des coups de main pour faire des off. Également, il m'a proposé, donc ça nous permettra d'avancer un petit peu aussi. Mais ça, ce sera après Seul au Monde. Donc merci pour ce conseil, Jojo. Et je pense que oui, on arrive au moment où là, ça va commencer à être utile d'avoir une personne en plus pour avancer pleinement et avoir le temps de tout faire, parce qu'on commence à avoir du matériel, tout ça, donc c'est cool. Ensuite, on a le commentaire d'Arthur qui me dit « Salut Marlon, beau travail pour ta ferme des vaches. Je conseille d'essayer de faire des pentes entre les champs autour de la stabulation. » Alors là, c'est un malade, Arthur. Il me dit je sais que c'est pas facile, mais si tu arrives à comprendre comment fonctionne l'outil, je sais comment il fonctionne cet outil. Hein. En gros, c'est comme ça que j'ai fait cette montée, vous voyez, qui est pas trop mal. Hein, vous voyez, cette montée qui est à peu près droite. En gros, tu places ton point le plus haut, tu vas là où tu veux et ça fait une pente. Et là, il m'a dit le champ, comme ça, tu pourrais le faire aller en pente. Mais je suis d'accord, hein, ça marcherait jusque là. Et après, il faudrait refaire une pente qui part dans le sens là. Ce serait, je pense, assez chaotique. Et au moins, quand c'est plat, avec les moissonneuses et tout, on n'a pas un problème de barre de coupe qui se bloque ou un ouvrier qui se bloque. Et en plus là ici, ça demanderait d'enterrer ces pylônes électriques. Donc je comprends ce que tu veux dire, mais je pense qu'on va pas le faire. Je préfère des fois avoir un petit mur en pierre ou en roche, ou quitte à adoucir un peu. Là tu vois, typiquement là, ça je peux l'adoucir, franchement je l'ai pas fait, mais j'aurais pu, tu vois. Là il y a moyen d'adoucir. Ah, je paye le terraforming maintenant. D'accord, autre chose. Attends, mais on a dû m'enlever le mode. On m'a dû m'enlever le mode qui me l'offrait, parce que techniquement, je le paye pas. Ah oui, bah tu m'étonnes que j'ai perdu de l'oseille à faire cette ferme, si je payais le terraforming. Et tu vois ce que je veux dire? Là, je peux adoucir un peu. Autant, je pense que partout, ça marchera pas forcément. Oh, comment il met du temps à se remplir. Et attends, combien de litres d'eau faut leur donner? Ah oui. Oh non, mais ils vont aller se faire voir. Ah non, mais c'est mort. Ah mais c'est... Mais non, en fait, on peut perdre de l'argent avec le terraforming, c'est parce que j'achète de l'eau. Mais ah non, mais ils vont aller se faire voir là. Là c'est compliqué. Il me dit néanmoins, pour revenir à son commentaire, néanmoins l'idée du bâtiment de stockage de véhicules en contrebas avec un mur rendrait bien. Bah oui, je pense aussi en bas là, mettre un bâtiment, ça peut être sympa. Alors véhicule ou bot, hein, on verra selon ce qu'on a besoin. Non mais par contre c'est pas possible. Non mais franchement, je comprends pas l'intérêt. Va falloir qu'on trouve comment retirer la nécessité de l'eau dans une stabulation. Alors, il y aura de l'eau, je veux bien une arrivée d'eau, mais je veux pas ça quoi. Qui fait ça? Qui fait ça IRL remplir sa stabulation avec une tonne? Personne. Ou trois personnes, parce que leurs stabulations, elles sont à des milliers de kilomètres de la civilisation, tu vois. Oh non, oh non, 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 c'est mort. On va pas s'amuser à faire ça. Je vous le dis, les gars, ça va pas être possible. Hein. Donc là, techniquement, par contre, j'ai tout. Ah, la santé des animaux va peut-être pouvoir progresser. Attends, si j'accélère un peu. Let's go, la santé qui monte, les gars. Let's go, let's go, let's go. Et là, voilà, la puberté va se passer tranquillou. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut, nous. C'est ça qu'on veut. Mais par contre, est-ce que ça consomme vite la flotte? La bouffe, ça a l'air d'aller. Ouais, la bouffe, ça a l'air d'aller. Et la flotte, oh, ça va. Ouais, ça va en fait. Ah, peut-être. Bon, on laissera peut-être si c'est pas trop. Par contre, va falloir qu'on ait un plus gros débit de remplissage et de vidange des cuves, hein. Sinon ça va être vite chiant. Alors aussi les amis, ce que je voulais vous montrer, hop, c'est qu'on va partir pour un smith, du coup évidemment smith céréales, donc je vais récupérer mon Orge Pronto qui va commencer à être juste, hein. Je sais pas vers quoi on pourrait se diriger, je vais vous mettre un accéléré déjà le temps que j'aille jusqu'au chantier, et après on regardera les autres alternatives qu'on aurait en semoir qui pourraient être intéressantes. Ah, je vais juste récupérer des semences derrière. Bon allez, je vous mets un accéléré et on regarde ça, parce que c'est vrai que là 9 mètres, c'était très bien 9 mètres, mais là on commence à avoir beaucoup de champs pour du 9 mètres, hein. Genre vraiment beaucoup de champs. Ah,
Allez, je viens d'arriver. D'ailleurs, j'ai un commentaire que j'avais pas lu. Il y a un quatrième, c'est celui d'Adam, je sais pas, qui me dit change pas de map. On veut un partenariat complet sur cette magnifique map. Et franchement, c'est vrai que vous êtes nombreux à avoir liké sans un like. C'est quand même assez énorme sur un commentaire. Donc ça veut dire que vous êtes nombreux à vous dire, bah non, en fait, Wallstetten, let's go. On est trop bien sur Wallstetten. Reste-y. J'avoue que moi aussi, j'adore Wallstetten. C'est une map, franchement, pour le moment, c'est ma map préférée. Mais je pense qu'au bout d'un moment, je pense qu'on va changer vers la rentrée, vers septembre-octobre. Ça va nous faire du bien, tu vois. Parce que ça va faire un an qu'on est sur cette carte. Donc c'est cool, tu vois. On l'exploite. Pour le moment, on est à deux endroits différents de la map. Et d'ailleurs, je vous montre un petit peu. C'est un petit peu sympa. Ça nous fait une rétrospective de ce qu'on a fait. Regardez, ici, on est sur le site des vaches que je viens de finir de construire au dernier épisode. On a l'endroit de traitement des betteraves. D'ailleurs, on en refera prochainement avec cette grande usine qui est vraiment trop stylée que j'adore utiliser. Ensuite, on est installé également depuis le début de la série, quasiment l'épisode 2 ou 3, ici, hein, tout simplement, avec cette ferme en hauteur qui a changé plein de reprises. Mais au moins, voilà, on a eu l'occasion de voir ces deux endroits-là. Prochainement, on va partir du coup s'installer dans un troisième endroit. Je pense que pour les moutons, je demanderai en live, je pense, vendredi prochain, mais on s'installera par là. J'aime bien ce côté un petit peu plus. C'est un petit peu plus calme de la map. Je trouve que c'est pas mal pour un élevage de moutons et on reste à côté. Ah, c'est vrai qu'on est pas mal centré sur cette ville. Ce serait peut-être bien peut-être de se rapprocher de celle-là. Parce que elle est incroyable, la ville qui est juste là. Elle est où d'ailleurs? Non, c'est pas celle-là, attendez. Je la trouve plus, la map est tellement grande. Voilà, la ville qui est là, elle est vraiment sympa aussi. Donc ouais, mais y a pas de champ à côté, quoi. On pourrait se placer peut-être par là. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal aussi dans ce coin-là. C'est à voir, voilà. Je vais voir où est-ce qu'on se place. Mais c'est vrai que cette map est absolument grandiose. Pour le moment, il y a aucune map qui lui arrive même à la cheville. Pour moi, c'est vraiment la best map. Mais regardez, on n'a rien acheté. Hein. Regardez, on a acheté ce qui est en bleu. Et si on enlève ça, évidemment, qui est en légèrement clair, c'est pas à nous. Donc rendez-vous compte de la folie, quoi. Il reste encore tellement de choses à faire. Donc c'est pour ça, je pense qu'on va rester encore 4, 5, 6 mois encore dessus. Et sans doute en fin d'année, on changera. Et ça fera du bien. Ça fera un renouveau dans la série. Et je trouve que ça va être cool. Je trouve que ça va être cool. Franchement, j'ai hâte de faire ce renouveau. Ça va nous donner une grosse difficulté parce que changer de map, ça va vouloir dire vendre tout ça. Sauf, je crois que je vais me donner le droit de garder un tracteur que je devrais choisir. On verra ça à ce moment-là. On aura le temps de discuter d'ici là. Mais en gros, je devrais tout vendre. Donc je vais perdre beaucoup d'argent parce que je vais devoir racheter le matériel. Mais c'est ça la difficulté des choses, tu vois. C'est ça le challenge. Et c'est ce qui me plaît, moi, dans Partir d'un, c'est qu'il y ait du challenge. Et on devra également racheter les champs, racheter les bâtiments. Donc on va perdre beaucoup d'argent. Mais c'est marrant, je trouve. C'est marrant parce qu'on va devoir tout réorganiser et tout. Et ça sera un petit peu partir de rien 5.2. Comme on l'avait fait dans Partir d'un saison 4, un petit peu plus tôt dans la série, évidemment. Et dans Partir d'un saison 3. Donc c'est classique d'en partir de rien. Mais pour le moment, je suis heureux sur Wallstetten. Je suis très content que vous kiffiez aussi. Parce que franchement, on s'éclate avec Virgile à vous faire ça. Même si des fois, ça nous prend beaucoup de temps et on pète des câbles à force de faire de l'ensilage, des récoltes et tout. Mais c'est normal, c'est le jeu, ça prend du temps. Et c'est voilà, c'est classique. Mais de toute façon, vu qu'on va augmenter notre matériel petit à petit, ça va prendre de moins en moins de temps. C'est vrai que là, regardez, ce semoir, il commence à être ridicule. Hein. On n'a pas fini de semer, là, je vous le dis. Hein. Donc ce qui pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'on aurait en semoir taille au-dessus? Très clairement, de base, on pourrait passer sur de 12 mètres Lemken, mais c'est pas du semi direct, donc ça m'embête un peu. Celui-là, il est sympa. Mais c'est pas du semi direct non plus, mais pourtant il est pas mal. Hein. Il est en 15 mètres. T'as celui-là qui est vrai, qui est sympa, qui monte en 18 mètres, qui est très intéressant, mais il fait pas de semi direct à mon grand regret. Bon, si on t'a celui-là, mais celui-là il est absolument démesuré, on va pas l'utiliser. Hein. C'est celui qu'on disait dans Solo Monde saison 2, qui était absolument fou. Il y a celui-là en 13 mètres. Ouais, faudrait que j'en trouve en fait des semi direct. Pour le moment, j'ai pas grand-chose en semi direct, donc faut que je me penche là-dessus. Mais voilà, vous inquiétez pas les gars, on va se pencher là-dessus. En tout cas, voilà, c'est un épisode où on a terminé l'ensilage, c'était le principal. On a commencé l'élevage de novages. D'ailleurs, elles vont se reproduire en combien de temps? Encore en puberté là? Ah ouais, elles sont encore totalement en puberté. Elles ont de quoi manger, boire, la productivité est à son maximum, mais du coup forcément elles ne font pas de lait, hein, ce qui est logique. Alors, on voit pas le lait quelque part? Non, c'est peut-être parce que c'est des jeunes vaches pour le moment, parce que c'est des veaux. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas d'endroit pour le lait. Étonnant. Non, c'est peut-être parce que elles sont toutes jeunes et du coup pour le moment ça rajoute pas la ligne où il devrait y avoir le lait. En tout cas les amis, voilà, on arrive au terme de cet épisode qui est le dernier avant le dernier du mois d'avril, mine de rien, le dernier épisode du mois d'avril, parce qu'après on part sur un gros marathon Solo Monde, mais vous inquiétez pas, Solo Monde c'est quand même assez proche de Partir d'un, donc vous serez pas dépaysé, vous allez kiffer je pense, et puis ça nous permet de faire une petite pause de Partir de rien et de reprendre tranquillement en mai notre série là où on l'aura laissé. On aura bien avancé entre les deux épisodes, entre cet épisode et celui qui sortira au début mai, tout simplement parce que eh bien il sera passé deux ou trois lives quand même, trois lives durant lesquels j'aurai avancé. Donc comme ça entre les deux épisodes il y aura quand même beaucoup d'avancement et moi je trouve ça plutôt cool. Puis bah écoutez les amis, voilà, bilan de l'épisode, on a pas forcément gagné d'argent, mais on est bien parti pour, on a toujours un emprunt à rembourser, qu'on a encore 3 épisodes après celui-ci à rembourser, mais de toute façon je pense que les vaches vont nous rapporter beaucoup d'argent. D'ailleurs à voir, dites-moi en commentaire, parce qu'évidemment vos commentaires vont être utiles, ce qu'on fait avec le lait, est-ce qu'on le transforme en, je sais pas ce qu'on peut faire avec du lait sur le jeu, mais ouais, on peut faire du chocolat, du beurre, tout ça peut être marrant. Alors peut-être avec une meilleure usine que celle-ci qui est un peu nulle. Ah oui, j'ai une usine Babybel en plus, ça pourrait être marrant de faire du Babybel. Ouais, on verra, ça peut être cool. Bon,
on verra tout ça les amis. Bah du coup je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de nos aventures. Et surtout dimanche, n'oubliez pas, 18h, le lancement de Solo Monde saison 3. Allez les gars, c'était Énergie. Ciao tout le monde.